Bonjour, bonjour à tous, c'est Roll Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Dragon, l'envol de Burk, le retour. Après avoir fait une petite vidéo sortie de nulle part, on est reparti dessus. J'ai joué un petit peu de mon côté. Bon, ça j'en cherche pas, donc bon, voilà. J'ai joué un petit peu de mon côté pour essayer de reprendre un peu la main sur comment fonctionne le jeu. C'est vrai que revenir après tant de temps, je vais être très honnête avec vous, on est perdu. On est perdu, entre les nouveautés plus le fait qu'on sait plus jouer, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour l'instant, on sait pas encore exactement ce qu'on fait. Surtout, j'ai pas joué énormément non plus depuis que j'ai refait la vidéo, mais j'ai quand même lancé le jeu. Ça a un petit peu changé au niveau de la puissance des espèces. Pourquoi? Parce que j'ai en train de, enfin, je suis en train d'essayer nouveau talent débloqué. Non. Quoi? Oh! Élève 15 dragons de niveau 3 supplémentaires chacun. Oh bah parfait! Ah bah mon objectif. Tu vas rentrer avec nous, Val! Et redevenir ma femme! Nous serons à nouveau une famille alors! Oh, stoïque. Oui. Voilà. Incroyable. Imitation exceptionnelle. Faites tourner pour voir le résultat. Je ne sais pas ce que c'est. Oh là! C'est raté probablement. Mais on augmente nos chances pour la prochaine fois. Chance de réussite augmentée, récupérer 2 millions 8. Oh bah c'est pas mal déjà. Dressage de Balka. Bah vas-y on fait. Bah j'ai pas les moyens. Bah je peux le faire. 250, j'ai 6000. J'y vais. Je sais plus ce que c'est. Enfin je sais pas ce que c'est, donc on va faire. On va pas économiser, on va pas se poser de questions pendant 2 heures. On est juste parti en fait. Hein. Très bien. Ah, ici. On est déjà à 9 sur 9. Du coup, ouais, y a beaucoup de choses. En plus, il y a beaucoup d'événements qui font qu'à chaque fois, je me dis, tiens, c'est bon, j'ai fait le tri dans tout ce que je suis en retard. Mais à chaque fois que tu te reconnectes, il y a des nouveaux trucs. Alors, on est un petit peu en galère. On sait pas trop où regarder. On est encore un peu perdu. Vous m'avez dit qu'apparemment, il y avait moyen de créer des statues qui permettent de gagner... dernière chance, récompense. Choisis. Qui permettent de gagner plus de points, plus de trophées pendant les combats. J'ai cherché, je me suis perdu sur le jeu, je vais être honnête avec vous, j'ai pas trouvé où c'était. Ambre poly. Bon, ça, je fais des échanges, écoutez. De souvenir, l'ambre poly, j'en voulais, donc je le fais quoi. Voilà. Échanger, on passe la promo. Ok, bon, très bien. Ah, qu'est-ce qu'il nous veut lui? Maman! Tu as adoré le nouveau Burk. Tu ne vas rien reconnaître. Maintenant, on fabrique aussi des selles, des attelles. Harold, j'ai hâte de tout découvrir. Tu as fait tant de choses pour Burk. Dresser une furie nocturne, rassembler notre famille. Je suis tellement fier de toi. Oh, comme c'est émouvant. J'en ai presque les larmes aux yeux. Mais tant qu'on parle de furie nocturne... Drago! Placer 17 dragons à Burk. Objectif atteint. C'est ça le grand maître des dragons. Le fils de Stoïque, la brute. Quel déshonneur. Mais ta furie nocturne sera du... Hein? Quoi? Sera du plus bel effet dans mon armée de dragons. Drago? Pourquoi aurais-tu besoin d'une armée de dragons? Eh bien, rien de tel qu'une armée de dragons pour capturer des dragons. Tu veux plutôt dire pour asservir les hommes, pour contrôler ceux qui veulent bien te suivre et te débarrasser de ceux qui refusent? Hé hé hé, tu es plutôt perceptif, hein? Tu es plus perceptif que tu en as l'air. Et ouais, on est futé. On est futé, tout simplement. Ici, encore. Drago? Les dragons sont d'incroyables créatures très douces, capables de rapprocher les hommes. Non, j'ai juré de vaincre la peur des dragons et de libérer le monde de leur joug. Le joug, comme du joug de fouet. Dresser 15 dragons à un niveau 42 à Burk. Très bien. Mais non, mais on est déjà niveau 49 ici, donc on va pas le faire, hein, évidemment. Et du coup, moi, ce que je suis en train de faire, c'est ça. Parce que là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est améliorer ça. J'aimerais améliorer ça, parce que c'est une galère, en fait. J'aimerais améliorer le hall, et donc avoir 5 dragons de niveau 52. Donc là, mon objectif personnel en tête, là, maintenant, tout de suite, c'est d'aller chercher 5 dragons niveau 52. Voilà, vous avez l'info. C'est l'objectif que je me suis fixé. On récupère. C'est l'objectif que je me suis fixé. Et on est plutôt content. Récompense. Tac, tac. On récupère des feuilles. Je ne sais pas à quoi servent les feuilles d'automne.
Mais on les prend. Qu'est-ce que c'est là dans le marché? Ah, on a un petit pack de cartes à ouvrir. On est parti. 6 pièces d'Odin. Ok, très bien. Plein de trucs encore, des trucs, plein de trucs, toujours des trucs. Parfait. Merci, bonsoir. Qu'est-ce que c'est ça? On récupère ceci. Très bien, on est content. Ok. Alors, chevaucheur. Ici. Ils étaient partis en expédition. Ok, ouais, très bien. Se prendre gratuit. Là, il y a probablement les techniques de la bonne route à chaque fois pour récupérer un œuf et tout. Ça, il faudrait que je me... Que je me renseigne en vérité. Pour multiplier les chances d'obtenir des œufs. Ok. Chevaucher un dragon. Oh. Un œuf que je ne connais pas. Dressé. Gratuit. Ok. Ah. On récupère le pack de cartes. Très bien. Ah, c'est là! Mais je suis tombé dessus, comme ça, boum! Ça m'a sauté aux yeux. On tient des trophées supplémentaires pour chaque victoire de mêlée. Ah, c'est à ça que ça sert. Oh, attends, j'en ai combien? J'en ai 15! Oh, d'accord! Très intéressant. Ah, mais ça dure un jour. On tient des trophées plus 10. Non, ça dure... Ça dure un jour. Ou il faut un jour pour l'obtenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par rareté, par espèce, par niveau. Oui, il y en a que je peux améliorer. Hein. 10, 13, 12. Je vais enlever le triple attaque. Comment on fait pour modifier mon équipe déjà? Comment je fais pour modifier mon équipe déjà? Jeton insuffisant. Parce que j'aurais bien remis mon ricaner équipé. Ouais. 13, 13, 12. Oh, on est un petit peu mieux déjà comme ça. Un petit peu plus de puissance. Ok, on verra ça après. On a légendaire ici, ils sont revenus. Collecté. 147 et un truc. On est content. Ok. Chercher les récompenses. Légendaire achevé. Récupérer. Rechercher. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait là? Ok. On est perdu. Hein. On est perdu. Il y a trop de trucs partout en fait sur ce jeu. C'est ça qui nous perturbe. Événement limité. On verra ça plus tard. Le truc c'est que comme... Comme ça fait longtemps que j'ai pas joué et que reprendre et avec tout ce qu'on était en train de faire et tout, c'est qu'on se perd. Ben je me suis pas encore refixé un objectif à atteindre un truc particulier. C'est pour ça que là, l'objectif que je me suis fixé pour l'instant, c'est d'améliorer le hall niveau 10. Peut-être pas la meilleure idée, hein, peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose, mais c'est l'objectif que je me suis fixé pour me repérer un petit peu dans le jeu. Alors, on est parti, petit combat. Mêlée. On va essayer de gagner parce que bon, voilà. Hein. Ah, c'est quoi? Vert est plus fort que violet et rouge est plus fort que vert, ok. Vert est plus fort que violet, rouge, vert. Vert, violet, rouge, vert. Vert, violet, rouge, vert. Vert, violet, il n'y a pas de violet. Rouge, vert, il n'y a pas... Ok, bon, on n'a pas d'avantage, mais... Mais eux ont un avantage sur mon ricaner. Je vais attaquer lui parce que je crois qu'il... Non, je vais l'attaquer lui. Parce qu'il est niveau 13, 11, on pourra le tuer plus vite. On s'occupe du point faible ennemi. Oh là, double esquive, quelle équipe! Et lui c'est ça, hein. Absorbe les dégâts infligés par tous les dragons alliés. Annule les... Ouais, c'est pas mal ça. Il est pas mal lui, c'est pour ça le ricaner un petit peu de défense là. On aime l'idée. Ok, un petit peu de dégâts. Et là c'est du dégât... Hmm.
fait, je vais booster ma puissance un peu avec lui parce qu'on va essayer de mettre l'attaque, l'ulti avec. Hop, petit peu de soin plus de la défense de mon côté. On tue lui comme ça, on n'en parle plus. Bon, les dégâts sont massifs. Ah, mais moi aussi. Je vais attaquer lui d'abord. Oula, oula. Ah, bah il a disparu. Où es-tu? Bah je ne suis pas là. Ah bon? Est-ce que c'était mal joué de ma part? Peut-être. Après, le ricaneur a beaucoup de dégâts. Enfin, beaucoup de points de vie quand même, donc ça fait plaisir. Oh la vache, les dégâts que je mange. Non, je vais pas faire ça. Yes. On en tue un et lui ne peut pas utiliser son attaque spéciale parce qu'il est bloqué par le collègue. On va mettre un petit coup de soin. Grosse attaque. On va aller chercher la victoire. Oui. Ah, raté, esquive. Parfait. Ah, on est content. On est content. Alors, du coup, déverrouiller le pack, 8 heures. C'est un pack assez long à débloquer en plus. On est assez satisfait. Viens un bout de dragon. 3 sur 10 pour récupérer ce petit pack. Est-ce qu'on se refait un petit combat? Allez, on se refait un petit combat. On se sent chaud. On se sent chaud. Et en plus, l'avantage, c'est que comparé à Jurassic World, le jeu, t'as pas, enfin, tu peux réutiliser les mêmes espèces tour, enfin, match après match. Ça qui est sympa aussi. Ok, un petit peu de dégâts de zone de sa part. Je vais tuer lui en priorité. Je vais attaquer lui quand même parce que de toute façon je vais mettre un dégât de zone. C'est mon objectif là. Impacter tout le monde avec lui. Bon non, ce sera pas avec lui, on va attaquer comme ça. Oh, il y a eu une esquive bien jouée. Lui il prend cher. Il disparaît. On a perdu le premier. Hein. J'ai mis l'attaque. Il va se retourner sur lui, ça va être un problème. Aïe aïe aïe, je ne pourrais pas faire. J'ai perdu en fait. J'ai l'impression que je prends masse dégâts quoi. Ils ont des bonus. Oh, j'ai eu une esquive. Oh, la puissance du mille tonnerre. Qui lock lui du coup. Oh, puis derrière il nous ressort une esquive, il nous fait rêver. Ouais, bah, je pensais avoir perdu sur ce combat, mais au final on s'en est sorti, c'est quand même plutôt satisfaisant. Ah, bien joué, bien joué. Et le petit pack. On part du coup sur un dernier combat. L'équipe fonctionne un petit peu mieux. Après, pour l'instant, je croise des adversaires qui ont que des dragons comme les miens. Malgré le fait qu'il doit y avoir beaucoup de nouveaux dragons. J'attaque lui. Lui, ils font peur. Je continue sur lui. On n'arrange pas beaucoup. Aïe, l'esquive, faut que je tue lui. C'est celui qui peut nous faire le plus mal. Puisque c'est l'avantage de type.
peux remettre ça, c'est pas mal. C'est assez fort au final parce que ça lock à chaque fois et ça empêche d'utiliser ses attaques spéciales. Ce qui me permet d'enchaîner. Oh, c'est très fort en fait. Hein. En fait, il faut focus lui. Hein. C'est très très fort. Allez, 3 matchs, 3 victoires. On est content. Bien joué personnellement à moi-même. Et un petit pack. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, on est plutôt ravis. On est plutôt ravis. Là, on voit qu'on a un niveau 11. Pickpocketos, c'est celui qu'ils utilisent d'ailleurs. Qu'on pourrait faire passer niveau 12. Mais après, ça reste un type qu'on a déjà. Il nous faudrait un bleu, en fait. Fouette et claque. Faudrait que... Même croque-mou. Hein. Croque-mou, serait bien de le réutiliser. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas de carte, quoi. Jetons insuffisants. Allez au marché. Oh, il va nous falloir des packs. D'ailleurs, comment ça marche? Améliorer. Niveau 51 requis pour améliorer. Ah ouais. D'accord. Pickpocketos. Est-ce qu'on peut le trouver sur comme ça rapidement? Allez à Burke. Oui. Pickpocketos, il faut faire passer niveau 51. Du coup, il faudrait que je l'améliore, lui. Ça devrait être lui, ma priorité. Ça devrait être lui, ma priorité, parce que c'est celui-là qui est le prochain à pouvoir être... Après, ici, j'en ai 792. Hein. 792, c'est un violet. Enfin, c'est un œil de faucon pèlerin. Il est peut-être pas mal non plus à améliorer, lui, hein. Tenir le dragon, ouvrir paquet de cartes. Bon, ça, on n'a pas de façon. 792. Voilà ce qu'il a comme attaque. Inflige des dégâts à un dragon. Diminue la défense. Et inflige des dégâts à tous les dragons ennemis bah, en 3. C'est pas mal. Hein. Et c'est pareil, il faut qu'il soit niveau 51 pour l'améliorer. On le rappelle. Je vais l'améliorer. Parce qu'il est niveau 42. Mon objectif, c'est d'améliorer l'I2 Bractor. L'I2 Bractor. Pardon, c'est pas un dragon, ça. Tiens, tu vas aller faire ça. Hop. Ok. Et du coup, on va regarder encore là. Je vais quand même tenter d'améliorer lui. Hein. Après, il y a lui en bleu aussi qui est pas mal. Niveau 51, il nous faudrait. Et niveau 28, on va le nourrir. Et on va le dresser. Ah, j'ai pas la place. Non, j'ai pas le bois surtout, pardon. Ok. Ça marche. On a nos prochains objectifs. On a nos prochains objectifs du coup d'amélioration d'espèces pour augmenter un peu la puissance de combat et voilà. Pas mal, et dragon dans Roleverk c'est quand même sympa. En tout cas on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, c'était Roleviking sur dragon dans Roleverk donc. On se retrouve prochainement sur la chaîne. Bisous à tous, bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao.